Salut tout le monde, bonsoir! J'ai 4 kills là, voilà, on est de retour. Jour 2. Bah ouais, non, techniquement non, on est encore le 6 juin à 22h03. Après une journée de combat quand même assez intense, hein. Regardez, il y a 4 qui vient de recevoir tout un régiment de parachutistes là. Ça vient de tomber des landing zone. On a eu une grosse bataille de chars sur le plateau. J'ai dû perdre une vingtaine de tanks, mais j'ai au moins repoussé une grosse attaque. Le jour 2 va être long. Mais ouais, on commence un petit peu à... Bon, Kat, tu vas me laisser faire quelques petits ajustements, n'est-ce pas? Ouais. De toute manière, même les troupes doivent dormir. Ils sont battus toute la journée, ils sont fait bombarder, ils sont fatigués. Ouais, mais après, il y en a qui sont en forme. What? Bah ouais, il y en a tout, c'est pas battu. Bah écoute, Kat, on va mettre vitesse 1, le temps de lancer, que je potasse un peu mon merdier. Mm-hmm. Par rapport à IRL qui domine, je connais pas assez bien IRL le 6 juin. Ouh, la fatigue ici. Ici, mon unité, elle est pas fatiguée, ce qui est très très bien. Et ça, ça dort ici, ça dort ici. Oh, mais je prends l'artillerie, c'est indécent. Qui c'est qui... Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Qui c'est qui... Je sais pas. C'est nickel, en fait. De moi. Merci, mec. Ça fait 3 ans. Je vois des tanks de 4 qui montent vers le nord. Je vois tes tanks de 4. Oh, tu tires sur mes 88. Encore? Ouais. Ah oui, ils se font défoncer, les pauvres. Ah, c'est ouais. Honte. Oh là là. Ah, oh, véracité excellente. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du Sherman! Une chier de tank. Une chier de Sherman! Duplex Drive! C'est même pas vrai. T'as, si, je les vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est totalement vrai, Kat, tu es juste médisant. Là, je fais des désinformations. Quand la véracité est bonne, Kat, tu peux pas me rouler dans la farine. Hein. Alors, non, c'est la colonne de ravitaillement, Pyrrhus, qui a pris 100% de perte. Ok, donc eux, ils sont quand même en forme. Donc vous allez aller par là. Allez, si ça comme bouge, ça. Est-ce qu'ils sont en forme? Non, ils sont fatigués. Ça. Temps de faire dodo. Là j'ai de l'anti-char qui m'intéresserait bien. On va déplacer toute la base logistique ici. Eux ils sont vraiment pas en forme. Voilà, on va déplacer la base log. C'est parti. Et on verra après. Hop, hop. On n'a même pas besoin. Normal. Voilà. Le quick quest. Parfait. Hop. Là, il fait nuit. Enfin, il fait encore jour, là. Il fait encore jour. Dusk. Ouais, mais ça va bientôt, la visibilité va bientôt commencer à tomber. Tout à fait. Quand même, ma visibilité... Pas fameux. Les petits canons 88 sont tirés dessus, les pauvres. Ouais, tu les défonces, là. Eux, j'ai jamais réussi à les utiliser. Ils ont pris le feu non-stop. Ouais, ils sont en spot, puis ouais, ils peuvent rien spot, faire. Ils prennent l'artillerie non-stop depuis le début. J'ai jamais réussi à les exploiter, malheureusement. Ouais. Tu sais, avancer trop près du front. Ou alors, c'est juste que le front s'est aussi rapproché très très vite. Hein. C'est encore notre problème, ça. Ouais, non, j'ai quand même rushé un peu, comme un pas. Bon, ici, on va essayer de se reposer après l'ordre de défense. La Wehrmacht se débrouille bien, je sais pas, c'est compliqué. Hein. C'est dur de jouer l'allemand. Face à un joueur allié qui sait utiliser ses troupes décemment. Non, c'est très très difficile. Ouais. Bon, t'as au moins forcé le repli de mes 88 pour la première fois depuis le début de la journée. Ah, il se replie? Ouais, il se replie. Avec une partie de leur équipement, il y a un monde où si j'arrive à les stabiliser, je vais peut-être les sauver. T'as fixé une ligne de front? Ouais, j'ai fixé une ligne de front. Ouais, mais ça va être à moi d'attaquer la prochaine journée. Ça va être à 4 de... On va avoir une très très grosse deuxième journée. Ah, mes chars tirs, c'était 88. Ah ouais, ils leur font mal. Ouais, j'ai la vision directement dessus. Mais... En plus, ils sont suppressés. Ils sont suppressés 4 à 81%. Et je vois que t'attaques en plus avec ton infanterie. Et comme tout est mobile chez 4, regarde, ils sont en 21 universal carrière. C'est terrible.
C'est des petits machins, bébé. Ouais, mais ça... Ils sont crevés. Allez dormir. Ça, allez dormir ici. Ça fait du dégât. Ouais. Là, je regarde qui est en forme. Est-ce que... Non, eux doivent dormir un peu. Ici, c'est bon. Pour ceux qui veulent apprendre à jouer, le sommeil est très important. Les trop fatigués, ils veulent même plus obéir après un certain temps. C'est souvent le problème. Hein. C'est souvent le problème. Ok, ça en est pas mal. Comme style division. Non, style division, c'est pour les enfants. C'est facile. Ça, c'est beaucoup plus dur. Style division, tu donnes un ordre, ça part tout de suite. Ici, ça part pas tout de suite. Ici, tu dois avoir les... C'est une... Style division est un RTS ultra dynamique. Ici, c'est une simulation. C'est beaucoup plus difficile. En fait, là, t'es content dans ce jeu quand t'arrives à faire quelque chose. Les gens se rendent pas compte, mais quand t'arrives à faire quelque chose, même si tu perds, si t'arrives à planifier une opération et à l'exécuter, bah c'est déjà une réussite en fait. Mmh. J'ai réussi à replier mes canons de 88. Non! Si. Moi, ça me dit que je les vois toujours, mais. Oh, ils prennent la sauce! Mais non! Est-ce que tu es sûr? Moi, je vois surtout qu'ils sont tirés dessus par mes chars et l'artillerie. Ouais, mais ils se barrent là. Allez! Les boys! Tenez bon! Ah oui, oui, ils se replient. Retreating, moving. Non! Reviens! Reviens ici! Ouais, je crois qu'on va se replier. Ok. Y'a pas la coxée. Tout le monde, toute l'armée allemande ne tourne pas. Déjà, ils tournent pas à la cocaïne. Ils tournent à la meth. Et tout le monde en a pas. C'est certaines unités dans certaines situations qui sont données par le docteur du régiment. Faut donc pas dire de conneries dans mon chat quand on connaît pas le sujet. Ok. Comment ça, tu connais pas la méthamphétamine? Allons. Bon, ici, je vais me mettre au repos. La journée de demain va être longue. Dans quel état ils sont mes mecs ici? Dans l'ensemble, eux sont bons. Eux sont frais. Ils viennent d'arriver sur le champ de bataille. Et au niveau renfort, jour 2, 7h du mat, ok. Jour 2, ça c'est très intéressant. Un groupe, la reconnaissance de la 21e Panzer. Les procédures c'est quoi? C'est généralement les unités qui font de l'offensive. Les unités de l'offensive. Et ils ont pas, tu peux pas donner de la mettre à toute une division. C'est les unités de pointe généralement qui les ont. Les mecs encerclés. Parce que le problème, c'est que si tu files ta drogue à des mecs, à toute la division pendant une semaine, tu peux, sur le papier. Après ça, bah, c'est fini pour eux. Il va leur falloir 3-4 jours pour se remettre. Donc tu vas donner ça à certaines unités très spécifiques, qui vont avoir un rôle très spécifique. Des mecs à l'offensive, des mecs qui vont tenir une position en arrière-garde. La drogue, bien sûr, c'est tu drogues tes mecs. On le fait encore aujourd'hui, hein. Les pilotes et tout, parfois... on va leur filer de la meth, hein. C'est des choses qui existent encore. Oh, ils sont passés par un chemin de merde. Ok. Là, j'ai ce joujou qui arrive. Ici, il refuse mes ordres. On va pouvoir augmenter la vitesse, Kat. Ouais, c'est la nuit. Oui, justement, Kat. Je sais que t'es un filou. Non, non, non. Oh, ça... Où ça tombe? C'est encore moi. Ah, c'est mon artillerie. Ouch. Ok, ici, on a réussi. En effet. On a réussi à replier l'unité. C'est parfait. On va faire ça. Oh, ici, ils se sont fait victimiser, mes pauvres. Ah, et l'artillerie de 4 ah non, c'est les miens.
C'est les miens qui font du Friendly Fire. Personne n'a vu. Ils ont tiré alors qu'il n'y avait plus la vision. Oui, je vois ça, ils tirent en plein sur tes mecs. Ça va, à côté. Il date de jeu, Commander, ça il y a plusieurs années. Ok. Ici, mon infanterie est arrivée. C'est parfait. On va faire ça. Ici, on va donner un ordre identique. Voilà. Parfait. Messieurs, la nuit vient de tomber. C'est officiel. Ouais. Ici, mes troupes sont même pas si fatiguées que ça. Pardon? On va profiter de la nuit. Tes troupes ne sont pas fatiguées? Certaines sont encore dans un état acceptable, on va dire ça comme ça. C'est pas pour me réjouir, ça, du tout. Mes troupes sont très très fatiguées. Ici, ça fait un peu la gueule. Ils se sont battus toute la journée, ouais. Ils sont creux. Mais moi, tu sais, Kat, justement, ma ligne principale, c'est pas beaucoup battu. Tu t'es beaucoup battu sur les défenses, les bunkers et tout ça. Mais moi, j'ai ma ligne de feu, à part la grosse bataille de chars, je me suis pas tant que ça battu, en fait. Mm-hmm. Ah, mais tant qu'ici se replie, c'est parfait. Eux se sont pas mal battus. Et ont pris quelques pertes. Hein. J'avais combien de tanks à la base? Oh, j'ai dû perdre une... Ouais, j'ai dû perdre 15. J'ai dû perdre près de 20 en 4 dans la grosse bataille. Ça pique un peu. Ça pique, ouais. C'est du P4, hein. C'est pas non plus. Ok, ça se repose. Ici, normalement. Bon, ça sera pour la journée de demain. Normalement, on aura. Si j'aurais planifié mes trucs pour la prochaine journée. La prochaine journée va être compliquée. Parfait, ça dépasse. Ok, vous allez faire dodo. Ici, là pareil, dodo. Ici, c'est... Ça, 30% de fatigue, c'est pas la catastrophe, mais... Ça, le problème, c'est que ça s'accumule vite, en fait. C'est ça. Faut pas dépasser le seuil. Ça s'accumule. Parfait, il se repose. Oh, le commandement est totalement paumé, mais c'est pas grave. Toi, tu vas te mettre là. Changement de plan. Voilà, et après, tu vas te mettre au dodo. Je vois que ça pète, Kat. Où est-ce que ça pète? T'attaques avec tes tanks, je vois. Tes tanks sont fatigués, Kat. Tu devrais peut-être les replier. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te caches dans le bois? Oh non, mais t'es accompagné! 74% de fatigue, mais qu'est-ce que t'as fait, pépé? Bah, c'est mes Ukrainiens et mes Polaks, mes Iwis que j'ai gardés. Voilà, qui sont au carton depuis le début. Les pauvres, ils vont se faire défoncer. Ouais, mais ils sont là pour ça. Hein. Ils sont aussi suppressés, ouais. Et ils ont zéro de cohésion, t'apprendras. Tu vois? Ils arrivent même pas à se replier. Logique. Et toi, je vais te déplacer et tu vas venir ici. Tu vas profiter de la nuit. Je crois pas que tu sois fatigué. T'es pas trop fatigué. Je vais te donner un ordre de mouvement. Voilà. On verra si demain matin j'ai un peu de vision. Ici, mes Polaks, eux, ont bien travaillé. Ils ont tenu l'attaque toute la journée. Vous avez le droit de vous reposer. Ok. Là, au total, on est sur 92 Panzer 4. What? Ouais, un truc de... Ta ligne de ravitaillement est attaquée. Ouais, possiblement là-haut. Mais ça, je peux rien y faire, malheureusement. C'est mon unité. Le ravitaillement est parfois très très mal foutu dans le jeu. Mm-hmm. Et vous devez accepter de prendre des pertes. Mais la nuit, souvent les ravitaillements passent sans problème. Ouais.
Ok. Dis-moi 4, t'attaques ! Y'a mes chars proches de tes ouïes, mais... Y'a surtout tes paras qui m'attaquent ! Ta base logistique ! Ah ! Tu es là ! Attends, mais c'est quoi ça ? Et 4 qui me dit, oh, je me repose et tout. C'est sa base logistique ! Véracité excellente ! Véracité bonne ! C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout, pourquoi tu l'as jeté dans la gueule du loup ? Je croyais qu'il y avait rien. 4 qui l'envoie en plein dans mon dispositif qu'il a vu tout à l'heure ! Non, je savais pas que t'étais là. Allons, où étaient les chars allemands ? Oh oh. Bon, on va se replier prestement. Ah ouais. Non, moi je pense que tu peux rester là, en pleine nuit, le ravitaillement qui va partir. Moi ça me va, Kata. Mm-hmm. Okay. Ça ici ça dort, ça ici se déplace. Ici on va reorg. On va reorg patiemment et on va faire ça. Et eux ont bien dormi, eux aussi vont aller, ils vont passer à l'assaut. Ah, passer à l'assaut, d'accord. La prochaine journée bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, ici, on se repose, c'est parfait, ici aussi, ah, il y a des combats, oh, c'est là-haut, c'est 4 qui passe à l'offensive, regardez-le, le filou, il profite de la nuit. Je me positionne pour le matin. Ouais. Nuance. Tes souris de merde. Ah, ils sont chiants, mais ils sont toujours là. Ici, c'est la cata, mes pauvres canons de 88, là. Qui refuse le repli. On va faire ça. Et après, on va mettre repos. Voilà. C'est intéressant, ça. Je vais profiter de la nuit pour déplacer mon artillerie, pour la mettre plus proche de la ligne de front. Les miens se reposent, 4. Vu que je sais que tu viens, c'est j'ai pas trop besoin. Ok, c'est bon, hein. C'est vrai. Hop, on va faire ça. Covered. On va laisser le gars gérer. Parfait. Ici, on est en train de reprendre de l'orgue. Je vais laisser le gars gérer ça. Oulala. Oh, c'est 4 qui passent à l'offensive là-haut. Qui est chaud là? Des souris de merde. T'empêches mes artilleurs de dormir, Kat, avec tes conneries là. Maintenant que je sais que t'es dans le bois. Mes Iwis sont restés là juste. Pour dire coucou! Toi, je vais te détacher ici. Voilà. Ok. Donc là, je vois plus rien de 4. Quand ça apparaît, c'est en temps réel. Moi, je joue en current. J'aime bien voir ce qui est réel. Tu as du tir éclairant. Non, ça marche pas comme ça. Le jeu est pas... Comprenez que c'est pas Company of Heroes. Vous n'allez pas envoyer une flares. Vous gérez... Vous gérez un corps d'armée, quoi. Vous êtes... Vous êtes un général et... Vous n'êtes pas là pour gérer des petites choses. Vous devez le faire, malheureusement. Parce que vos subordonnés sont un peu cons.
Mais vous n'êtes pas là pour gérer du petit détail. Là, j'ai donné des ordres. Je vais laisser mes subordonnés les travailler. Parfait. Et ici, on va faire ça. Comme ça. Voilà. Ils sont pas très bons. Ils sont pas très bons, mais bon, faut que je fasse avec. Faut que je fasse avec. Et la base logistique de 4 qui est toujours là! Elle tente de fuir. Quel enfer! Ça, c'est cadeau. Hein. Les bases logistiques valent cher. Hein. Parce que si là, je détruis sa base logistique, dès qu'elle est même ne serait-ce qu'attaquée, elle perd en fait du supply. Et les séparas seront peut-être plus ravitaillés, genre 3 ou 4. Parce que sa base. Ouh, mon artillerie qui tombe. Ouh, elle tombe bien même. Bah alors 4. Ici ça bouge, ici ça bouge. Mon artillerie met des très beaux coups au but là. Sur ses. Ses universales carrières. Ça tombe bien. C'est pas mal. En plein dessus. La cohésion va très très vite tomber. Je suis un peu Friendly Fire au passage sur mes Ewis, hein, mais ça, c'est une T'as aucune pitié. Aucune pitié, hein. Désolé, mon petit 4, mais voilà quoi. L'artillerie qui tire. L'état-major de la 21ème. Bien là-bas. Qui veut à tout prix mes canons de 88. Il a raison, hein, les canons de 88 sont très très bonnes armes, très dangereux de les laisser. C'est excessivement dangereux. Il est 2h du matin. Bon, par contre, il va peut-être falloir attaquer, les gars, là. Attaquer, pépé. Ah bah, je te réserve le cupid de surprise, Kat. Je vais pas te laisser. Oh là 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 là! Oh là là, mais regardez tout ce qu'il y a ici! On va empêcher Kat de dormir, hein! C'est parfait ça! Je pensais pas avoir la vision en pleine nuit, mais Kat a été gourmand sur ses bases de départ! Regardez, ça se repose! Mais Iwis donne toute la vision, mais 88 tirs! Allez hop, on va empêcher Kat de récupérer son orgue! Allez mon mignon! Tous les tanks et tout là! Voilà, alors véracité excellente, la cohésion de 4 est terrible, 17%, c'est meilleur derrière, les tanks c'est bon, défoncé. Voilà, c'est mon artillerie qui fait le café, hein. Et ouais, les attaques, oulala, et 4 qui s'infiltre là-haut, regardez-le, je vois tes troupes, Kata. Ah bon? Oui. Je vais mettre range. Attends, on va repasser en vitesse 1. Où sont mes... Voilà. Parfait. Et on va supporter. Comme ça. C'est parti. Tu vas goûter un peu d'artillerie 4. Donc là, regardez 4, le vilain. Je vois ses chars sont au repos. Par contre là... Il abuse de ma défense. Là, il a plus de cohésion. Ça va pas pouvoir attaquer. Ça se repose pas, donc ça sera pas trop viable pour le combat. Ouf, putain, ici. Mettre repos aussi. Oh, mais Ziwis. Quelle bande de ville cancer. Très cancer. Ouf, là. Ok, là, mon artillerie. Commencer à être moins précise. Cessez le feu. Ouf, pas mal. Ouf, ma cohésion qui s'effondre. Putain, ici par contre, très très décevant. Mon attaque.
Faudrait pas tirer Glacier ce matin pour en plus de se reposer. Malheureusement, ça n'a pas trop d'impact. Sa cohésion est excellente. Sa fatigue est élevée, mais là il est en train de baisser. Sa fatigue en fait. C'est que là, O4 tente une incursion. Véracité bonne, sa cohésion est pas si bonne que ça. On va peut-être lui faire un petit peu de support vu que j'ai une belle vue. Tu me fais chier, 4. Mes artilleurs, j'avais prévu de dormir. Ils se font choper. Et 4 attaque avec son sa moto. Oh là là, mais Ziwis, quelle bande de Tchad, ils tiennent la ligne. Putain, mais 88 ouais. Que j'aurais pas réussi à sauver, ça m'agace un petit peu. Ici, ça dort toujours. Ça, c'est mon artillerie. Non, ça, j'avoue que eux pourraient faire le job. On va attendre un petit peu. Je vais mettre ce bataillon au repos. Ici, l'ordre a été donné. Ici, on se repose. Je taquine 4 avec l'artillerie. J'ai pas entendu mes, mes engins français de la bestiaire tirer. Mes lance-roquettes, ça devrait pas tarder, j'espère. Ouais, là, mes 88, j'ai aucun contrôle dessus. Tu les as trop tabassés, Kat. Ah, excellent. Je vois l'état de ton infanterie, là, c'est pas brillant. Ah, Kat, c'est mon, c'est mes roquettes qui viennent de partir. Ok, la cohésion tombe un petit peu, véracité bonne, c'est pas brillant brillant, on va accélérer un petit peu. Hein. Oui, oh, piou, piou, piou. Ouais, c'est mes petits aftracks français là qui essaient de toucher quelque chose. Oh, ma cohésion s'est effondrée alors que j'ai à peine attaqué. Il est 2h40 du matin. J'ai perdu le contact avec lui, avec l'unité de Kat. Je vais cesser le feu avec mon artillerie. Ok, cesse le feu. Ok, c'est bon, il a arrêté. Et Kat qui attaque avec ses tanks en pleine nuit. Il se repositionne.
ici. On se repose bien. On en avait bien besoin. La journée de demain va être longue. Ici. C'est une bonne nouvelle, eux. Ça pète autant, c'est là-haut, ouais. Tu continues de marceler. Oh là, mes Iwis qui se battent, 4. Ils vont chier. Ah, je crois. Tu m'étonnes. Laisse pas dormir. Bah, toi non plus, tu me laisses pas dormir, 4 là-haut, hein. T'es en train de m'attaquer, hein. Je vois tes troupes qui m'attaquent, là. Mais je vois que la cohésion s'effondre aussi, 4, dans ces unités, et qu'il y a de la fatigue. Ouh là là, il y a deux unités. On va peut-être appeler un petit support d'artillerie, hein. Oh non, pas besoin. Si, si. Oh, si, si. Parce que je me doute que peut-être que c'est pas seul, tout ce petit monde, là. Voilà. Ça va tomber, 4, la sauce, là. Oh, de la roquette. Oh là 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 là. 4 est chaud, hein. Il y a deux unités qui attaquent, deux compagnies, véracité excellente. C'est du Suffolk Regiment. C'est en Jeep et en Universal Carrière. Elle dure combien de temps, les games sur ce jeu? Oh, ça dépend, hein. Ça dépend avec qui tu joues, quel genre de scénario. Là, c'est 4 jours de scénario. Donc c'est quand même un gros scénar qu'on joue. Mais il y a des scénarios qu'on avait fait avec 4 qui durent 8-9 jours. Tu t'en rappelles, 4? Arnhem. Ouais, c'était horrible. Hein, une belle expérience. Non, ça reste une game incroyable, 4. Non, c'est cool, mais c'est tellement long. Ouais. Et c'est dur. C'est dur. Très dur. Très très dur. Mais c'est fun. Là, j'ai le temps de me reposer quelques heures avant le matin. Voilà. Ici on est bon. Ici pareil. Oh là là, regardez 4 qui attaquent. Ok, il y a beaucoup de monde là-haut. 4 tentent une offensive de nuit. On va supporter ça. Oh là là, c'est pas précis du tout mon artillerie. Ouais, mon artillerie fait de la merde. J'espère qu'il y a des unités derrière. Laissez-vous se replier, yes! Reculez! Ils sont tirés dessus, lance-flamme dans la forêt. T'inquiète pas que mes mecs tankent bien, 4, hein. J'ai 70% de cohésion. J'étais retranché depuis un petit bout de temps. Oh là là, 4! 4h du matin! Le jour se lève dans une heure. Le jour se lève, hein. Ah, oh, les 88 sont tirés dessus. Oh, mais toi, tu les auras pas laissés vivre, putain. Oh, tu as dégagé les Iwis. Ouais, ils se replient. Tant mieux, parce que j'en pouvais plus. Voilà, il y a une sacrée bataille là-haut. Il y a une sacrée bataille. 4 est à l'offensive. Bien sûr. Normalement, j'aurai des renforts qui vont arriver là-bas.
Ouais, ça c'est une compagnie portée entière. Mais on reste en réserve. Oh là 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 là, Kat est à l'attaque. Il y a du lourd. Allez, pour canon qui traîne vite. Ouais, tu les as. Oh là là, ça attaque ici. Aïe aïe aïe. Kat est à l'offensive là dans le village. Sur une compagnie là. Voilà, mais t'en dis oui, ça! Tu les as eu, Kat! Tu les as tués! Enfin! Ils sont morts! Donc, Kat là-haut est en train de faire très très mal, et ça va très très vite. Il y a du mécanisé, c'est une grosse attaque. Tant pis pour la consommation de munitions, c'est un détail. Oh, la quantité de viande qu'il a! Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande. Si tu voyais ce que j'ai, et il n'y a même pas la qualité, tu vois! Bien battu, mais la cohésion est en train de s'effondrer. Belle bagarre. J'ai hâte que le jour se lève. Le jour se lève, va se lever, Kat, dans pas longtemps. On a le droit d'aller un peu plus vite. Ça. Oh là là, et Kat qui attaque sur toute la ligne. Partout. J'attaque partout. Comme un porc. Le nombre sur les carrés des unités. Oh putain. Ce sont les noms des unités. Ce sont le nom des unités. Oh là là, Kat est à l'attaque. Et ici, ça attaque aussi. Oh là 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 là. Ça, par exemple, tu vois, c'est le premier Abteilung, le premier régiment du... Le premier bataillon de reconnaissance du 22e régiment. Voilà. Donc c'est pour ça que t'as le 1 et 22. Et 4 qui vient me faire chier avec ses paras, putain. Ok.
Quelle heure il est? Ok, il est 5h. Ici, on va faire ça. Le jour se lève. Ouais. Le jour se lève, je pense qu'il fait beau. On a récupéré la visibilité. Oh oui, on a récupéré la visibilité. Ça dit 500 mètres encore. Ouais, 500 mètres. Il y a peut-être de la light fog. Non, non, non. Ça va se lever. Non, c'est juste que le jour c'est pas encore levé. Le jour c'est pas encore levé. Ça va pas tarder. Je me suis fait percer au nord. La 4 est à l'attaque aussi, avec son mec. Oh putain, ici c'est l'enfer. Les agents de terrain, ouais, ouais, y a tout, y a tout. Je suis pas là pour faire un tuto Kalidou pour ça. Oh là là, ici il y a tellement de monde. Oh là, là-haut ça attaque fort aussi. Ça attaque fort. Véracité bonne. Artillerie qui tire déjà. Ah bah ouais, là, je vais envoyer la sauce 4. Hein. J'ai la vision sur toi. Je vais me faire plaisir. On va essayer de faire tomber un peu tout ça. Il y a de la bagarre là-haut. C'est compliqué partout. Et l'autre qui... L'IA, parfois, j'ai envie de la baffer. Hein. Prends ton temps, surtout. Bien ton temps. Ne te brusque pas. Tu pourrais te faire fouler une cheville. Là, il y a des ordres d'attaque en cours. Taper là-dedans. Bon, là, on a bien défendu. 4, j'ai réussi à sauver mes canons de 88. Ils ont perdu. Ah. Il leur reste 11 canons. C'est pas mal, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Là, j'ai de l'artillerie. Je vois que Kat essaie de récupérer de l'orgue. On va pas le laisser. Et c'est... Bah, véracité pauvre. Pour aller un peu plus vite. Ouais, et si je perds des tanks à cause de Kat, putain. Quel enfer. Bah, sa visibilité est toujours dégueulasse. Mais ouais. Plus qu'il fait pas encore jour. Voilà, c'est parti. Deux coups d'unité ici. Oh là là, là-haut c'est compliqué. Kat est sacrément monté à l'attaque.
Ici, ça bastonne aussi. Oh là là, la sauce! Vision 500 mètres, toujours. Ah putain! Vivement qu'on voit un peu plus là. Peut-être. À 6 heures. Ouais, peut-être à 6 heures. Ah, ici ça fuit, malheureusement. L'artillerie tire. Moi, elle tire pas parce qu'il fait pas encore jour. Je crois. La mienne tire en tout cas. Ok, non, elle tire un peu. Je vois quelques batteries, tu vois. Bon, j'espère qu'à 6h on va avoir de la visibilité parce que là, tu me rends dingue à t'infiltrer partout. Putain! C'est ça que je déteste dans ce putain de jeu! C'est des gruyères et comme Kat a des camions et des motos partout, des voitures, il peut juste se balader en mode YOLO. Moi, je suis à pied pour bouger de 500 mètres, c'est une calamité. Il y a des troupes ici. Bonjour. Là, il me dit que c'est un peloton, il y a 5 ans, ouais. Une très gros peloton. Ok, là, ça tombe bien. Bon, est-ce qu'à 6h on va réussir à récupérer un peu de vision? Ça serait bien. Ouais, ça serait bien. La carte qui va s'éclairer d'un coup, tu sais. C'est de la plaine, mais c'est aussi assez vallonné. Le problème, c'est que je manque de troupes mobiles, en fait, pour réagir... pour réagir, en fait, efficacement. Ouais. Si Pépé, lui, il peut me bloquer... Je peux au mieux essayer de bloquer un peu, mais... Je peux pas réagir à des situations qui apparaissent un peu au milieu de nulle part. J'ai pas les moyens. Mais pour l'instant, qu'on n'a pas la vision, il va pas se passer grand chose. Ouais, on va devoir attendre peut-être à 6 heures. Lâche, ça va depuis tout à l'heure. Mes mecs, ils tiennent bien, mais ça, j'ai peur que ça lâche. On n'a pas la vision 4 à 6 heures, je crois. Visibilité 500 mètres. 500 mètres, oh là 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 là, je sens que ça va être une bonne journée de merde, ça. Mais ça dit light snow, mais... Non, c'est un bug. Putain, il sort ce matin, on va laisser la chance. Ouais, c'est 500 mètres, c'est rien du tout. Oh là là. Là ouais, mais Kat, là, ça l'arrange tellement qu'il n'y ait pas de visibilité. Il peut s'infiltrer tranquille, attaquer. Moi, j'aimerais bien avoir de la vision.
Bah non. Parce que j'ai la supériorité de feu, donc j'aimerais ça voir que Ouais, mais tu peux t'infiltrer partout où tu veux sans que je te voie. Et y a rien que je puisse faire. Tu passes sous mon nez. Et avec 500 mètres de vision, bah, je suis bien baisé. Là, tu apparais devant moi sur des coins où j'aurais dû te voir venir à des kilomètres en fait. Espérons que la vision s'améliore. Pour moi, ouais, parce que je suis un peu dans la merde. Hein. Je suis un peu beaucoup dans la merde. Je me suis fait laver. Terrifiant. Normalement, j'ai de l'artillerie à proximité. On pourrait peut-être supporter. Oh, comment il est passé ici sans que je le voie. C'est indécent. Bah, c'est partout quand même. Mais oui, c'est pour ça que ça t'avantage tellement. La... Putain, je suis bien baisé. J'ai profité de la nuit... Ouais, et la nuit, maintenant, ça continue, parce que c'est presque encore la nuit, quoi. Ouais. C'est le pire scénario qui soit pour moi. Parce que j'ai aussi de la longe, j'ai beaucoup de tanks, j'ai beaucoup d'unités anti-char spécialisées. Et là, il arrive tranquillement devant chez moi. J'aurais eu tellement d'allonges ici. Oh, ici, ils ont bien dormi. Là, je vais me faire manger. Oh, ici, quel enfer. Quel enfer, hein. Si on est lancé le déplacement. J'ai... quelle heure il est? Il est 6h20. Ah ouais, il y a une grosse attaque. Oh là, il s'est infiltré sous mon nez, je l'ai pas vu. Oh là là. T'as beaucoup de machins ici. Ça, c'est ma base log. Ici, on va s'abattre. Il y a beaucoup de monde. Allez. Bon, je vois de l'artillerie qui commence à tomber. Ouais, l'artillerie s'est réveillée. Aïe aïe aïe. Là, il y a pas mal de cohésion, on va essayer de la tomber. Okay, ça c'est bon, je regarde mes lignes de supply. Ça semble plutôt pas mal. J'ose pas regarder moi. Ça dit qu'il y a quelques brigades, mais ça c'est normal, elles sont en première ligne donc. Toi, t'as enfin réussi à te sauver. Ok, là ça se défend bien. Mais non, j'ai pas la vision, bordel de merde! Toujours pas de vision. Toujours pas de vision. C'est insupportable. Au pire moment. Dès qu'à 9h du matin, un truc comme ça. Ah, 9h, ouais. Ça me met bien dans la merde, ça. Ah, ici, je me fais dégager.
Oh, c'est un vieux bateau en plus de supply. L'artillerie fait du bien là. C'est quoi ta pépé? Mais bateau n'ont plus de supply. Ah ouais, ça fait un peu moins d'artillerie. Un petit peu moins. T'as peut-être trop tiré le jour précédent. Ouais. Ça va peut-être être mon cas aussi après avec l'artillerie plus tard. Bon, si ça se met en route. Si on fait de la perte. Ah. Ici, véracité excellente, ça fuit. Voilà. Compliqué, hein. Belle attaque 4 sur tout l'arc là. On va voir. On va essayer de défendre le mieux possible avec mes moyens un peu limités. L'attaque le long du canal de l'Orne, là, je l'ai pas vu venir, celle-là, les mecs sont apparus devant moi, Kat. Ils sont apparus. Surprise. Surprise, motherfucker. Parfait. Et ici, on va aller... Voilà, ça, ton artillerie, elle tombe avec précision. Ouais, mon artillerie est très précise, là, parce qu'en fait, t'es tellement en contact de mes troupes que bah, tu guides, quoi. Et c'est en train de casser certaines de tes attaques. Par contre, ça me coûte cher en obus, comme tu peux imaginer. Voilà, ici ça bouge. Vite! Toutes mes batteries tirent. Toutes mes batteries. Tiens. Et comme toutes tes unités sont bien fraîches, tu vois. Aïe 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 aïe, je suis tombé sur lui là. Quel enfer. J'ai pas d'artillerie dans le secteur. Allez, une batterie de dispo. Ouais, non, j'ai pas tiré juste pour un peloton. Faut trouver des cibles généreuses. Tiens, 4 qui essaie de s'infiltrer. Ouf, des pertes. Oh là 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 là, la sauce. Et je fais du friendly fire parfois. Et je suis tellement obligé de tirer près parce que j'ai pas la vision. La forcément. Suppression. Allez, on s'abatte. Putain. Les tanks ici qui obéissent pas aux ordres, c'est tellement frustrant. Fort, qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, normalement ça doit arriver dans une heure. Oh la bagarre là-haut. Bah ouais, mais j'ai pas la vision, mais c'est tellement fait pour tirer de loin cette merde là. Toutes les merdes peuvent tirer de loin et moi non plus, je sais pas tu le dis là. Ouais, mais toi tu attaques, donc ça t'arrange de pouvoir arriver au corps à corps de moi sans que je te vois. Moi j'ai besoin d'allonge pour défendre de loin et avoir la vision pour mon artillerie. Pas fou. J'avais préparé des trucs pour tirer de loin, mais finalement... T'as pas besoin ? D'artillerie, ma propre artillerie qui me savate, ça. Ça me trompe, hein.
Mais si on, on est parvenu à arrêter l'attaque. Mais ça a fait mal. Ici, on est à l'offensive. Au niveau, mais j'ose pas regarder mes stocks d'obus, tu vois. Mais c'est pas brillant. C'est pas brillant du tout déjà. Oh là là, là-haut, la bagarre. Ici, on tient bien. J'ai toutes mes batteries qui tirent. Hein. Je n'ai. Bon, peut-être qu'à 7h, on aura de la visibilité. Peut-être. Je ne peux que espérer. Je vais continuer ici de sabater. Kat me pousse fort avec beaucoup de motorisés. Et c'est des unités véracité excellente. Il y a du Bren carrière, de la Jeep, du camion. Ça, c'est du mec, ça rigole pas. Mais ça tient pour le moment. Ici aussi, on est attaqué sur cette ligne de défense. Mes 4 gouttes à mes 80 mm. Yeah. Et à mon artillerie. Ces 4 grignotes, malheureusement. Là, j'ai pas la visibilité pour taper. Quoi. On va voir si à 7h, la vision s'améliore. Non, mais si ça sert à rien, tant pis. Tant pis. C'est du gâchis. Voilà, on va faire ça. C'est parti. Ah, ça c'est mes petites roquettes qui partent. Ouais. Elles auront beau, c'est mes roquettes 4 là. Allez hop, ça tire. Ah, si seulement ici je pouvais... Oh, 7h01 du matin, c'est toujours merdique, 500 mètres. C'est l'enfer. Piou, 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 piou. Ok, on s'est passé. Oh, la sauce que je prends. Ouais bah elle fait chier ta brume à Caen là. Fait chier aussi, je veux voir quelque chose. Je suis en train d'essayer de savater là, mais y'a rien qui passe. Je suis en train de consommer beaucoup de mon artillerie sur des sites que j'aurais pu venir voir de très très loin. Jour 2, 7h. Hein. Jour 2, 7h. Intéressant. Sacré bagarre. 7h10. Ah, c'est des belles attaques, hein. Tout bien coordonné et tout. C'est propre 4. Joli travail. Ah si, mais on va voir si ça va continuer de passer ou non.
Parce que là, ton artillerie a fait très très Mon artillerie a bloqué l'approche en tout cas. Mais je sais pas combien de temps ça va durer. T'as sûrement des renforts qui vont arriver. Piou, piou. Ouf, là, là, ici, c'est compliqué, mais ça tient pour le moment. Il y a des troupes qui font vraiment de la gueule. Toute la véracité est excellente. C'est des bonnes troupes. Il y a de la Jeep. Ouh, eux ont plus de véhicules. Et là, il y a un groupe d'ingé qui a plus de cohésion. On va continuer à les savater. 7h12. Très intéressant. Très très intéressant. Collier avec aussi peu de vision. C'est là que vous avancez mais vous savez pas où est l'ennemi. Et puis d'un coup vous vous faites saucer. Puis vous tombez face à du tank ou des gros joujoux. Oh là là, ici. Oh les tétrarques qui sont là, pas eux, Kat! Fais Les tétards, chier! ils sont là depuis le début, j'en ai même pas perdu un, je crois. Non, je les vois toujours à 20. Ouais, en même temps, je les avantageux contre l'infanterie parce que ben ils vont se faire défoncer sinon. Oui, ils sont en pleine forme en plus. Mais oui! C'est indécent! Ils vont nettoyer ces petites merdes dans le chemin. C'est quoi ici? 48 canons de 20 mm? 48? What? Ok, mais c'est un bataillon. Mais non, c'est une compagnie à 300 hommes. Ok. Ils sont très très Oh bien là là armés. là là là. Très 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 bien armés. Hein. Même trop armés, je trouve. Ah, il y a quand même quelques belles unités, hein. Il y a tout, hein. C'est le problème des Allemands, hein, tu sais. Ah non, c'est pas de mon unité. Ici, on va monter là. Ça suffit, je vais leur donner un ordre. Oh, ok, ici, ils vont cesser d'exister, ces espèces de couillons là. Parfait. Comment je vais faire ce chemin là? Oh là là là. Aïe, c'est une disbandée, malheureusement. Oh, la cohésion ici, ça tombe, véracité bonne. L'artillerie fait du bon travail. Ici aussi, ça tient pas trop mal. Là, ça commence à faire bobo. Là, il n'y a plus de cohésion. Là, il y en a beaucoup. Oh là 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 là, ça sauce. Ouais, malheureusement, je vais vite perdre si j'ai pas de la vision. Faut que je puisse voir. Espérer que la vision revienne un peu. Ouais, sinon je suis dans la merde. Genre vraiment dans la merde. Oh, l'artillerie qui tombe.
une belle défense. Jamais le sang t'es foutu, genre. C'est tout de même bien austère. T'as toutes les informations qu'il faut. Ça, le truc, c'est pas... C'est un excellent jeu, mais t'as pas besoin... Ouais, il faut s'accrocher, bien sûr. Mais comme tous les bons jeux, hein. Tous les bons jeux ont des courbes de niveau difficiles. T'as déjà vu un bon jeu facile? Non. C'est à toi de t'adapter au jeu. Mais je comprends que ça en rebute certains. C'est pour l'élite! Allez jouer à cette division si c'est trop dur pour vous. Hein. C'est quoi ces machins? Un HQ Battalion? Ah, ici ça, ça mate. Ici aussi. Ah, c'est mon. Le long du canal de l'Orne. Ouais. C'est eux? Eux sont chiants, hein. Ils résistent. Ils résistent très bien. Je sais pas si c'est vraiment plus bien sûr que c'est. Un jeu où t'as juste qu'à cliquer. C'est un jeu de clic, cette division. Comme un bon RTS, c'est ceux qui cliquent le plus vite qui gagnent. Et ceux qui savent le plus cliquer à la minute. Voilà, là-haut ça attaque aussi. Oh là là, je récupère. Si je récupère pas la vision à 8h. Il y a un monde où 4 il va arriver là et je vais faire un énorme prout. Je le fais manger ici, j'en peux plus. On va devoir en panique. En panique. Attends, message. Ici, oh, si, oui, c'est normal. Du clic division, j'en ai regardé un paquet. C'est des jeux de clic, hein. Comme les wargames et tout, c'est des jeux de clics. C'est des jeux super micro. Et ça, c'est pas un jeu de micro, c'est un jeu de macro. Vous devez réfléchir. Il y a pas une overdose de clics dans Command Ops. Faut quand même cliquer. Mais on n'est pas sur. Oh là là là. Ouais, faut surtout être patient. Faut être patient, compréhensif avec vos unités. Pas trop les brusquer. Amener le thé et tout ça. Je vois le commando Baker dans la forêt, c'est quoi ça? Ah, tu vois, mais mon unité de la bestiaire qui fait du tir. Mm-hmm. Ils se battent bien. Ouais. C'est une sacrée bataille là qu'on a sur les approches. Ouais. T'as attaqué ou j'espérais que t'attaques, mais tu m'as surpris ailleurs. Oh, mais mes Polaks qui font le boulot, superbe. L'important des Polaks, c'est aussi me donner la vision. Et avoir la vision, c'est chouette. Ici, on va continuer à tirer. Bon, on va. Allez, ça va. J'ai toutes mes batteries qui vont retirer 4 là. Je vais envoyer la sauce. J'ai pas le choix. Ici, c'est parti. Faut pas que je te laisse passer. Ici, ça tire. J'ai absolument toute mon artillerie qui tire. Tout. Toutes les batteries. Et on est que jour 2. Est-ce que mes Polaks ici les ont arrêtés? Je suis même pas sûr. Ok, ici on l'a arrêté. Là on a repoussé une attaque qui était importante, je pense. J'ai pas tous les éléments, vu que je manque de visibilité. Ici, on a fait une bonne affaire. On est enfin parvenu à
tous les jours dans le jeu. Mais la carte est super bien foutue, hein. La carte est super bien foutue. Bon, mes renforts, ils sont arrivés. Mes renforts sont arrivés, Kat. On va aller voir un peu ça. Oh, il y a de l'Iwi, c'est tout, c'est de la merde. Et dans quel état ils sont? Ils ont pas l'air trop dégueulasses au niveau... Au niveau état. Voilà. On va mettre tout ça en route. Je vais changer. All unit, non. Les commandements, ok. With orders. With no orders. Ah putain. Bridge. News. Je voudrais bien mes commandements de bataillon. Ah, je les ai pas. Attends. On va attendre que les ordres soient donnés. On sait où ça peut être, la 4. Ici, ça passe toujours pas. Je vais continuer à saucer. L'embuscade. L'embuscade, c'est pas aussi bien passé que j'aurais aimé. On a eu le mérite de te bloquer. Yep. Ici, on continue de tirer. L'attaque a... Okay. Je savais qu'il y avait un machin ici. Je voyais mon supply qui était en train de tomber. T'as de la merde derrière. T'as de la machine gun. Ah, tu sais, c'est... Je le savais. Enculé. C'est eux qui étaient là. Ils sont là depuis le début, Kat. Hein. Je le sais, je les avais cherchés. Je les avais perdus de vue. C'est pour ça que j'ai gardé les troupes derrière. Je le savais. Je le savais. Ils étaient là depuis le début. Je les ai profité de la nuit pour les sneak. Ouais. Et ils ont buté du truc, hein. Ah, ouais, je vois supply. Je suis comme, ah, merde. Et bon, j'ai envoyé des petits trucs pour les nettoyer. Bon, ici, ça se passe pas trop mal, là. Peut-être qu'à 8h du matin, dans 2 minutes, les conditions vont être plus optimales. Mm-hmm. Ici, mes Polacks ont fait du bon travail et m'ont donné la vision. Si ça continue de tomber, Kat est en train de s'infiltrer malheureusement. Hein, je puisse faire. On va être à portée de tir. Ouh, ça m'intéresse. Au plus haut point. Là, mon commandement de bataillon, il tient magnifiquement. Oui, ils font chier. Et je vois que certaines de tes unités ont plus de cohésion, Kat. C'est pas bon signe, ça. Non. Ils ont reçu trop d'obus dans la gueule. Comment ils font pour résister à 20 tétrarques? C'est impressionnant quand même. C'est pas de la merde. Ok, si on a se dégager. Là, on va repasser à l'attaque. Là, normalement, la reconnaissance de la 21ème Panzer est arrivée. C'est parfait. On va faire ça. Voilà. Et ils sont en forme en plus. Ici, on va se mettre en position défensive. Et on va rouvrir la route de camp. Ok. Oh, 8h05, 4, et il fait toujours pas jour! Quel pays de merde! La Normandie! Putain! Yup. Je suis tout à fait d'accord. Fais chier! Et là, il y a une sacrée attaque dans le nord qui continue d'arriver. Et je vois pas exactement de quoi il s'agit. Ouh, par contre, 4, là, tu t'offres à mes P4, je prends. L'artillerie tombe pas mal. Alors, il y a plus en plus de troupes qui arrivent de partout. Et elles apparaissent, vu qu'à 500 mètres. Je peux même pas envoyer l'artillerie dessus. Là, ça tire.
Ici. Des machins puants sont en train de tomber. Ah. On va continuer couper mon supply. Mais là, je pense que. Ah, t'as mes 4, il a des trous partout. Ils baladent du tank. Ils auront bien travaillé. Ah. Ah. Il fait jour à 8h. Bah ouais, bah il est 8h. Ah, pas des Panzer 4. T'as trouvé des tanks? Ah oui, t'as trouvé. Ça y est, tu as vu mes Panzer 4 hein. Non. La compagnie d'ingénieurs là qui est à l'assaut, qui est devant mes Panzer 4. Alors il me dit que c'est une compagnie d'ingénieurs, moi je sais pas trop. Oh, ah bon ça. Si la bagarre. Et les tétards toujours intacts hein. Ouais, mais là, si tes hommes arrivent à péter les tétrarques avec un Panzerfaust, bravo. Ici, on se défend très très bien, mieux que prévu. Ici aussi. Pour un début d'attaque, je suis pas mécontent. J'avais peur que ça se passe plus mal que ça. Par contre, là, il y a Kat a réussi à profiter du manque de vision pour infiltrer de la troupe. Ce qui fait pas mes affaires. Heureusement, il est tombé en plein dans une petite embuscade. Ah, c'est ça qu'il faut, hein. Tu mets les troupes sur le chemin pour faire chier. Oh là là, ici remonte en orgue. Oh, mes mecs sont cuits. Mes mecs sont cuits ici, Kat. Tiens, ici, ça tient. Oh là 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 là, la bagarre! Regardez tout ce qu'il y a! Et la véracité, pauvre, hein! La véracité est pauvre. On va aller là. Oh, regardez, il y a encore des troupes de 4 qui arrivent! Quelle bagarre! Sur le flanc de colline, là? Ok, ici, on a tenu. Là, on a des petits renforts qui arrivent. Ah, là-haut, ils sont pas pressés. Hein. Les ordres de déplacement, au secours. Hein. Tiens, donc, des paras de 4 qui attaquent. Il va être accueilli. Une compagnie, véracité bonne. Une unité d'infanterie qui attaque. Là aussi, oulala, il y a du monde. Oulala, il y a du monde. Allez, continue de tirer là. Tant que t'as des munitions, tu tires. C'est normal que je vois tes mecs dormir 4 devant mon nez. Non. Non, verra ces vagues. Non. C'est mes mecs qui affabulent. Oh là là, la bagarre ici. 4 fait une grosse attaque. Hein. Attends, il faut que je banne un mec qui vient me botter. Voilà. Casse-toi. Oh là là, mon pauvre canon de 88, ici 4 qui va lâcher. Ils ont plus que 4 pièces. Est-ce que tu penses que le jour va se lever 4 à 9h? Je sais pas. Peut-être. Là, je vois, il y a beaucoup. Hein. Tu fais mal. Putain, ça tient bien, mais ma bestiaire, elle bosse, hein! Ouais, je pourrais pas te déloger, hein. Il résiste. Je sais pas combien de temps, mais le but c'est de gagner du temps, hein. Mm-hmm. Bon, ici, on a fait le boulot. Ma grande surprise. Ça, c'est deux compagnies de Panzer Grenadier. Que je vais essayer d'utiliser pour faire ça. Voilà. Voilà. Là, le groupe de la 21e Panzer est en train de se mettre en route. Les paras sont un énorme problème parce que je sais pas forcément où ils sont. Oh, mais mec, ils craquent déjà, putain, mais. Ah, oui, ici, ouais. Je vais pas devoir envoyer de l'artillerie tout de suite, quoi.
Je peux vous dire que les Allemands, le moral, c'est compliqué. Hein. Et comme tout est lent, bah, vous, ils doivent faire plus d'efforts pour monter en ligne et tout. Et j'ai moins de temps pour les reposer. Très difficile, mais c'est fun. Ok, ici. Mon artillerie continue de faire un énorme boulot. Pareil pour mes Panzergrenadiers. Ok, parfait. Mais t'es très camp une munition. Mais non. Sérieux? Ouais. En même temps, ils ont beaucoup tiré, hein. Ouais, bah je vais devoir les revivre, ils ont plus de balles, donc... Pourtant, ils ont pas manqué de supply. Je pense qu'ils ont juste trop tiré. Peut-être. Ah merde. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça bouge. C'est parti. Ici aussi. Je pense. Ok, 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 ok. Oh là là, mon artillerie qui tombe bien précisément, ça fait plaisir. Attends, est-ce que le jour vient pas de s'améliorer là? Non, non, non. 500 mètres toujours. Par contre, ça veut dire que t'es. Dis-moi, ça attaque dur là, Kat, hein? Je sais, mais t'es trop résiste là. C'est, en fait, c'est vu, j'ai pas de vision, j'ai pas de tiré dessus. Donc, indirectement, c'est un avantage. Quand, en fait, quand tu me chopes de front, tu sais, quand tu me tombes dessus de front, ouais, ça m'avantage parce que là, je sais où t'es, je peux te tirer dessus. Mais quand t'arrives à faire des sneak moves. Ouais, c'est avantage des sneak moves, mais c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire pour l'instant. Là, non, hein. Là, le Aster-ci du mat, tu voudrais attaquer. Hein. Fort. Ouh là là, ici, il y a beaucoup d'infanterie. C'est vrai que j'ai mon artillerie là-haut qui pourrait aussi tirer. Tire un peu là-dedans, hop là, c'est parti. Bon, là si j'arrive à évacuer toutes ces troupes, hein, ça me mettrait extrêmement bien. Je sais que les paras de 4 sont dans cette ville. Oh ouais, mon artillerie fait un boulot incroyable. C'est. Ça me sauve là. Sur cette phase de jeu. Ça me coûte cher en mun. Mais ça vaut le coup. Ouh. Oui, je vois. Ça fait très très mal. Ici, j'ai perdu la vision. Tellement mal. J'ai perdu la vision, malheureusement. Oh, c'est 500 mètres là, c'est terrible. Hein. C'est ça, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Je vois rien, j'en peux plus. Oh, il n'a même pas donné les ordres de déplacement là, on fonce. Hein. Je sais qu'il y a des tanks là-haut. On va être patient. Et là, on va tirer. Là-bas, la poche de falaise. Alors là, en fait, non. Il y a pas mal de batailles, de très grosses batailles autour de camp. Mais il n'y a pas. C'est pas un DLC en fait officiel. C'est des mods qu'on a là. Oh là 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 là, la bagarre! Et ma bestiaire là qui se bat. Elle aura bossé la bestiaire de Baker là. Les châssis français. Oh, et voilà ce que j'avais peur. 4 qui s'est infiltré, putain. Voilà pourquoi ne pas avoir de vision est catastrophique. Hein. Et ça, j'ai rien pu faire. J'ai juste pas ce trou.
Ok, on verra si à 9h du matin, je vais récupérer un peu de vision. Ici, on va continuer à tirer dans les troupes, dans le tas de troupes de 4. Oh là 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 là, la bagarre. Allez, dis-moi qu'à 9h, la météo se lève, putain. En plus, dans les options, pour qu'on ait du beau temps, j'avais mis 4 de la bonne météo, tu vois. Ouais. Ça dit « Day, full moon, light snow ». Putain, neige légère, 500 mètres. Absurde. Ah non, c'est ma base logistique. Allez, mon artillerie qui tire, qui tire, qui tire. Allez, un cran plus vite. Hein. Oh là, oh là. Ouais, mes airstrikes sont bloqués parce qu'il va rien. C'est vrai ça. Peut-être qu'à 9h. Oh là là, l'attaque de 4 ici. Non, mais ça, c'est juste le jeu qui a été... vu que c'est un scénario... Si on va se replier... Ok, ici, parfait. On va se replier en bon ordre, on va essayer. Ouais, les combats urbains sont pas faciles à jouer dans le jeu, hein. C'est dur l'urbain. C'est vraiment dur, hein. Le jeu est dur tout court en fait. Ouais, quand on voit bien, c'est que les troupes sont toujours bloquées. Ouais. Oh là là, 4, 9h et on est toujours à 500 mètres. Horrible. C'est affreux. Je vais devoir me préparer mentalement à faire la journée là sur ça. Ça va peut-être changer durant la journée, mais on verra bien. On verra. Mais c'est compliqué. Hein. Oh, si je prends la sauce. Ok, ici ça me semble bon de faire ça. Oh, ça pète dur. La bataille est compliquée. Oh là 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 là, ici on a repoussé 4. Mais il y a toujours plus de troupes qui arrivent. Matez-moi la concentration de troupes qu'il y a ici. C'est un truc de malade. Hein. Mais je vois rien. Et moi donc. Hein. Et là, pour tes grosses attaques principales, tu aurais besoin de tes chars maintenant. Ouais, mais je donne des chars à 500 mètres, c'est pas une bonne idée. Non. Là, moi, j'ai très peu de chars d'engager en fait. Je suis sur mes positions défensives et puis j'essaie de tenir quoi. Mm-hmm. Bon, les chars, tu veux tirer à longue distance. Aïe aïe aïe. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je crois que tu es tombé sur mes petits polonais, Kat. Mes Iwis là qui. Là ça approche. Dis-moi que t'as la vision là. Voilà, ça va tirer. Parfait. On l'accroche.
C'est compliqué, hein. Il y a un côté gruyère, là, dans ma défense. La météo est une... Fout un peu la merde. Ouais. Ici, on va prendre ça. Et on va déplacer ces unités. Ici. C'est parti. Hop. Parfait. Voilà. Oh là là, ma bestiaire qui sauce. Oh là là, mais j'ai peur pour mes stocks d'obus aussi. Hein. J'ai un peu peur pour mes stocks d'obus à force. Pas sanitaire en tes défenses, ouais, non, non, là c'est. Voilà! Ça roule, c'est compliqué! Ok, si ça bouge, enfin, ils ont pris le chemin, ils vont aller tester le dispositif. Là, mes polacks sont aussi en chemin. Si j'arrive à évacuer ces hommes, il y a quand même beaucoup de monde. Près de 1000 hommes. C'est très chouette. Ici, c'est parti aussi. Voilà. T'as pas d'essence dans tes divs blindés. Mais j'ai pas de divs blindés. Je me bats avec une poignée de mecs. C'est très très compliqué. 4 là où était à l'attaque. Sur le chemin. Oh la bagarre là-haut! Oh là 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 là! Il y a une nouvelle compagnie de 4 qui passe à l'attaque, la véracité excellente et la cohésion de 4, t'as 4%, il peut pas tenir! Il peut pas tenir, non. Ouf, ici je prends cher. Je vais continuer à supporter. Hein. Ici 4 est à l'attaque. On va supporter. Kat essaie d'attaquer sur toute la longueur du dispositif. Hein. Oh là là là. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Hein. Mais pour le moment, ça tient. Ça tient très très bien. Chaque chose en son temps. J'envoie la purée. Ah, y a des paras partout dans mon dos. On va tenter ça. Hop. 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 Voilà, ici pareil, on va donner un ordre de déplacement. Allez là. Voilà. C'est parti. Là-haut, ici c'est bien merdique. J'ai mis mon ordre de déplacement. Voilà, il y a des paras partout. Voilà. Et dans ce scénario, je suis censé contre-attaquer. Mais comment? Avec quoi? Je pense pas que c'est possible. Je pense pas. Véritablement, c'est... Il faut des... C'est compliqué de contre-attaquer dans le jeu. Si t'as pas beaucoup d'artillerie et surtout du... C'est pas avec mes... Déjà, je peine à défendre. Alors l'attaque, au secours.
Même là-haut, on se défend très très bien. 4 peut-être à 10h du matin, hein. J'espère. J'ai tout qui tire. Toutes mes batteries. Toutes. Sans exception. Envoie la sauce. Et la bestiaire envoie du DPS. Travaille, si seulement j'avais la vision là de flanc. Mais je l'ai pas malheureusement. C'est fort dommage, hein. Tu rejoues des batailles. Ouais, c'est un simulateur. C'est plus cher. Ah là, parfait. Mes P4 ont la vision. Yes! Non! C'est ce que je voulais voir. Parfait. Même si l'unité a pris cher, il y a encore 5 P4. Ça va amener du DPS. Ouais, je les vois ici. Tu les vois? Ouais. Dis-moi le nom du bled! Escovid. Ah, bâtard! Il a vu les P4. Ils amènent un peu de support à l'unité parce que là, ton attaque de para, là. Ça picote, hein. Regardez. Attends, on va faire tirer dessus. Tous les para de 4 là qui envoient la sauce. Là-haut, malheureusement, je me suis fait submerger. Ici, on est en train de rejoindre le point. On va se mettre en route. C'est allé là. Eh, je suis à pied, hein. Je suis à pied, à cheval, hein. L'armée allemande, c'est compliqué, hein. Tant pis, hein. On fait la guerre sans visibilité, hein. On s'adapte au terrain, hein. Ça fait chier, mais on s'adapte, hein. Oh, la bagarre ici! C4 que j'ai amené en urgence un bataillon de Panzergrenadiers pour bloquer ton approche. Tu gagnes là. 4 est un peu devant au point. Mais c'est assez serré. Ouais, c'est surtout qu'un qui compte. Donc si je me rends pas là-bas, ben. C'est ça. Et moi, plus je défends, plus je temporise, mieux c'est. Là, 4 a pas un... Je pense que 4 a pas un bon début de journée là. Non, le fait que j'ai pas la vision, je peux pas tirer. Il peut pas exploiter la longe de ses tanks et en fait il a attaqué là où je pensais à peu près qu'il allait attaquer dans certaines zones. J'ai une bonne def. Il s'est juste infiltré ici, je lui dis pas où, ici, où ça a été une très mauvaise surprise. Et là c'est mon artillerie qui est en train de carry. Je suis en train de vider les stocks. Mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir vider les stocks comme ça en fait. Je ne sais pas, mais j'espère que bientôt t'en auras plus de but de merde. Là, c'est bien beau. Jour 2 à midi. Ouais, mais. Ici, les ordres, ils ont été donnés. Ça serait bien que tu bouges ton graboule. Là, il y a une sacrée bataille. 4 est à l'attaque. On va aller comme ça. Ok, ici c'est passé. C'est une très très bonne nouvelle là, ce qui vient de se passer pour moi. Ça va m'amener beaucoup de punch à ma défense. 4 a peut-être fait une bêtise. Je lui dirai plus tard. Je pense qu'il a fait une bêtise, mais il le savait pas. C'est facile de mon point de vue. On verra bien. Ouais. On va faire ça. Maintenant que je sais que la route. Ça. Ok. Oh là là, mon artillerie qui continue de tirer sans fin. Peut-être 4 à 10h, hein. Oh, toute ma cohésion ici qui s'est cassée la gueule. Au secours. Oh là là, ici ça se casse la gueule aussi. Ça devient compliqué 4 à défendre, là. Hein. Tes attaques commencent peut-être à passer.
Ok, ici c'est parfait. On va faire ça. On va faire ça. T'as eu ton ordre de déplacement, toi? Non. Je vais changer ton ordre. Parce qu'il est pas bon. Et tu vas faire ça. Voilà. Là, on a une sacrée bagarre dans les bois. Ça sert à rien que je tienne ça. On va faire ça. Oh là 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 là. Ici, on a bloqué la progression de 4. J'ai eu de la chance dans mon malheur. Ici, il y a deux groupes mobiles de 4 qui poussent deux compagnies motorisées. Je pense que ça tient. J'essaie de les travailler au corps. Faut pas que ça passe. Ici, pareil. Mais il est en train un peu de me repousser, le vilain. On va faire ça. Ma position elle est vraiment trop bonne pour que je la lâche. Là, la 4 qui rentre dans le dispositif ici, j'avais pas vu. Pas de frappe aérienne. Bah, pour avoir de la frappe aérienne, faut du beau temps quoi. Et là, c'est un peu compliqué la météo. Je vois pas la météo. Tout en bas. Day. Visibilité 500 mètres. La visibilité est merdique. Oh là là, mes pauvres canons de 88 qui prennent la savate. Oh bah c'est débuté. Oh, ici, leur ordre est long. Leur ordre de déplacement. Ici, on va continuer à tirer à la roquette. C'est parti. Mais avec mes châssis français, la bestiaire. Oh, la bestiaire qui tient. 4 contre je ne sais pas comment ils tiennent. Ils commencent à être un peu fatigués puisque tu leur mets. Mais je vois que certaines de tes unités font la gueule. Ok, ici. Toujours pas la vision. Toujours pas la vision à 10h. Aïe aïe aïe. Mais j'ai failli pas encore 10h, on va voir. On va voir, ouais. Attends, 10h. Chez moi il est 10h, 4 et je suis à 500 mètres, hein. Merde. T'attends pas trop un miracle, hein. Oh là là, ça va durer comme ça toute la journée, 500 mètres, c'est une catastrophe. Dégueulasse. Voilà, je vois 4 qui passe à l'attaque là. Mais il y a partout des compagnies d'infanterie motorisées. Moi je me bats avec des camps groupeux là. C'est l'enfer hein. Si je peux rien faire. Ok, si on est repos. On va faire ça. Je vais essayer, tous les ordres ont été donnés, il n'y a rien que je puisse faire. C'est parfait. Ici, la véracité est bonne et ça me dit que 4 ça pue la merde, sa cohésion. Ça va pas tenir éternellement. Peut-être à 11h, ouais, peut-être à 11h, ouais. Ici, ça tient, à ma grande surprise, mes Russes, mes Iwis, là, font le boulot. Par contre, 4 vient de repousser mes mitrailleuses. Sympa ta base logistique, 4. Oh, j'ai vu. Mais. Vu qu'elle est retranchée. Ouais, mais c'est juste pour lui tirer dessus, pour un peu, avoir un peu d'action de feu, tu vois. Ouais. J'étais surpris d'arriver à passer, j'étais là. Oh, mais attends,
Ça passe? Oh là là, la bagarre ici. Ah, y a pas la vision, quel enfer! Ici, je suis en train de me faire ravager. Il y a des paras partout. C'est une très bonne météo pour les paras et l'infiltration de paras. Ah, pour les paras, c'est parfait. Ici, la ligne de défense tient. Je sais pas combien de temps, mais ça tient. Ici, mon commandement de bataillon. En cas, tu sais le commandant de bataillon le long du canal de l'Orne, là. Ouais, mais je peux pas le tuer parce que j'ai pas de munitions. Mais, ah ouais, tu sais qu'il est à 100% de cohésion. Mora, il est tout à 100%, ah oui, le bâtard. Y'a rien qui lui tire dessus. Ouais, tant mieux, hein. Remplis-toi, 4. Je devrais. Si ça passe pas, ramène des temps. Ou un truc, ramène des temps. Ok, là-haut. Là-haut, ça tient toujours. Voilà, 10h. C'est terrifiant de jouer. Eux ont pris cher. Mon artillerie envoie une sauce. J'avais oublié que j'avais cette artillerie. Oh, je suis trop con. On sait pas. On va partir ici. Du soleil à corps. Ben ouais, on est en plein juin. Pourquoi y a pas de soleil et de la visibilité, là? Et j'ai même boosté le jeu pour qu'on en ait. Et on en a pas. De troupes ici. Ok, ici je vais me replier. Il y a 4 qui arrivent. Au secours. Au secours. Là, je vais prendre toi ici. Tu vas venir là. 4 qui me met en panique avec ces petites incursions là. En sneak. Et ici, tant pis, on va faire du commandement manuel. On va faire comme ça. J'ai pas trop le choix. Et toi, tu vas rester en défensif. On va venir te mettre ici. Oh là 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 là. Le simule, bocage normand. Mais y a pas besoin de simuler quoi que ce soit, vu que la carte est déjà parfaitement représentée en termes de compartiment. Y a rien à représenter, justement. Tellement peur. On va te prendre toi. On va venir te mettre là. Mais y'a du monde ici, what the fuck? Où ça, mon petit cat? Cazel. Cazel, c'est où cette merde? Un peu au nord-ouest. Ah. Y'a un gros camp dans le village. Je vois au moins 4 compagnies qui résistent. Peut-être, ouais. Ordres ont été donnés, mais c'est long. Ah! Non, toi, t'es trop. Attends, mais tu t'es même pas mis en route, toi, là-haut? Espèce d'âne batté. Oh là 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 là, j'ai des renforts qui sont arrivés, 4, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls à chier. Ah, ils sont nuls à chier. Ah. Ok. Moi, ici. Attends, je vais donner un vilain contre-ordre de merde. Oh là là. Oh là là, il y a des tanks de 4. Je vois des tanks de 4. Véracité excellente, hein! Aïe aïe aïe! Les Sherman qui arrivent! Ah, ici mes 88 ont craqué malheureusement. Ils se sont très bien battus. Ici c'est compliqué, mais ça tient toujours. Ici on a réussi à se replier en bon ordre. On va continuer à tirer.
La vision, toujours, c'est dégueulasse. 10h29, vision infecte. Yep. Terrible pour nos tanks. C'est oulala. Vraiment terrible. On voit rien. Dans ce propos. Mais rien. On va faire ça. On va faire ça même comme ça, hein. Hop. Ici, malheureusement, ça pue la merde. Là où ça attaque, rien que je puisse faire. Ouais, là, autant qu'ils reçoivent le contre-ordre. Qui continue de s'abattre la zone. Les tanks de 4 qui sont rentrés en action. Là-haut. Royal Hussard. Il y a bien 14 tanks. Face à ma bestiaire. Ouais, la bestiaire résiste encore. Bah, figure-toi que t'as réussi à chasser mon commandement de bataillon 4 qui te dérangeait là. Incroyable. Depuis le temps. Ouais. Ça commence à être compliqué, hein. 10h37. Je vais pas tenir Ils comme ça. Toujours aussi horrible. Je vais pas tenir comme ça toute la journée. Je fais que tirer. Je vide les stocks d'obus. Et je tire avec tout ce que j'ai. Oh, ça sonne, hein! Thomas Magnus! Merci, mec, bienvenue à toi! Oh là 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 là. C'est les premiers tanks à toi que je vois, Kat. Merci pour ton prime, mec. Non. Tu arrives dans un moment de stress intense, ça! Aïe aïe aïe, Kat, t'es en train de faire craquer la bestiaire! C'est même pas vrai, je les vois encore qui tirent. Ouais, mais ils prennent des pertes. Tu viens de détruire des équipements. De combien de divisions? Eh, pas grand chose! J'ai une partie de la 21ème Panzer qui était dans le secteur de camp qui est arrivée. Mais qui a déjà pris pas mal de pertes. Et j'ai toute la merde de la 716ème qui est là. Et là, je me prends les troupes de 4. Le problème, c'est la météo. On est au petit matin, 7 juin, 500 mètres de visibilité. Et Kat était à l'assaut de tout mon dispositif défensif autour de camp. Pour le moment, ça tient. Mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Ok, ici on s'est replié en bon ordre. Là, les parades 4 sont à l'attaque dans les bois. Ma pauvre infanterie se fait découper. Oh, ici, mon infanterie régulière, elle est nulle, il lui faut du temps pour... Ok, là-haut, ils sont enfin mis en route. Ici, une bonne nouvelle. Le bataillon de reconnaissance de la 21ème Panzer est enfin en chemin. J'espère qu'ils ont du puma. Est-ce qu'ils ont du puma avec des... Non, il n'y a pas de puma. Aucun puma. Par contre, c'est quand même une force pas dégueulasse. Et une fois que tu seras arrivé ici, tu vas en urgence aller là-haut.
Et là, toi, je vais te donner un autre ordre. Il faudrait que j'arrête de donner 10 contre-ordres différents. Ça, c'est la panique, hein. Vous donnez ordre contre ordre. Ça donne quoi ici? Ok, c'est pas mal. Ça tient. Peut-être 14 heures. Peut-être, j'espère. Peut-être 14 heures. C'est insupportable. Ah, j'ai wipe inutility. Ah, où ça? C'est des Dizzy Whiz. Ah ouais, d'accord, tu passes devant ma bestiaire en mode YOLO. Ah ouais, mais ça c'est mon manque de vision. Ma bestiaire est rentable quand je peux tirer de loin. J'ai des gros canons. Et moi aussi, c'est horrible. Les deux, on peut rien faire. C'est des combats rapprochés, c'est comme... C'est affreux parce que les Allemands, ça fond quoi, à une vitesse. Allez, allez, on va continuer à tirer dans le tas. J'aurais cramé de la roquette avec mes... Oh la vache, ouais, il me reste plus que 159 roquettes là. Oh, mon artillerie qui fait du free and fire, je te déteste. 4 unités de la bestiaire qui vient de lâcher. Ah, débarqueur. Mes tétrarques. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Ah, c'est les tétrarques, c'est pas possible. Mais si, c'est les tétrarques. Oh, 4 tétrarques de perdu, 4. Ouais, bah ils sont chopés par des bardeurs, Bah ils sont chopés par de la bestiaire, 4. C'est pour ça. Ouais. Puis mes Sherman se sont fait manger. Ah ouais? Les hussards, oui, là, qui ont attaqué Oui, si, j'en ai perdu au moins la moitié. Ah ouais, ah oui, 8. Ouf. Ils ont fait le boulot, hein. Une unité en fuite, ça a fait le boulot. C'est plus que je vois rien. Mais ouais, mais on peut pas utiliser la longe de nos guns, en fait. Non. Et c'est un problème. Et je crois que 4 à 11 heures, j'ai peur que... La météo est aussi dégueulasse. Ouais. Malheureusement. Fait chier. Parce que même si je veux tirer dessus, moi je préfère avoir de la vision, c'est plus... Mais plus c'est mieux, c'est plus dynamique, c'est plus fun et tout, en fait, d'avoir de la vision. Ouais. Pour nous deux, c'est mieux. Même pour le jeu. Ouais, définitivement. Ok, mes troupes ont... Mais... Là, je suis en train de redéployer presque 962 mecs. Mon artillerie continue de saucer sur 4. C'est un enfer de feu. Eh, 4 tétrarques, c'est MVP quand même. Ils auront bien travaillé. Ouais, mais là, ils sont en train de se faire détruire, les pauvres. Ils prennent des pertes, là, face à ma bestiaire. Ouais. Ouais, 16, ouais, 4 pertes, tu vois, moi. Ok, ici, j'ai été forcé de me replier, mais je suis juste à portée de tir pour tirer là-dessus. Là, les parades 4 se régalent de cette météo pour s'infiltrer. Ils sont en train d'anéantir un de mes bataillons dans la forêt. Ici, on va se replier. Peut-être qu'à midi... Arrête, Kiki Fonzep. C'est déjà... C'est la merde comme ça, là. À 11h, on est toujours à 500 mètres. Peut-être qu'à midi, hein. C'est horrible. Au secours. Oh là là, pourtant... Quasiment toute mon artillerie est en support permanent. Il y a un certain point où je pensais que ça allait craquer plus vite. Oh, 4 qui attaquent là-bas, là-haut, mais... Oh là là, espèce de... Laisse mes Polonais tranquilles, les Iwis. Jamais. Ok, ils se battent bien. En face, ça me dit que c'est du... Ouais, véracité excellente. De l'entière, mais comme il n'y a pas de loup va-feu, ils doivent pas avoir beaucoup de boulot. Là, ça me donne de la vision, c'est parfait. Oh là, il me dit qu'il y a du para, véracité bonne. Ah oui, il y a du para et de la...
et du régulier. Bon là ma bestiaire est en train enfin de... Ah un tétrarque de... Un autre tétrarque de perdu. Ça bosse ça. Non. Il était temps. Ici je vais me replier aussi. Il faut que je préserve mon artillerie le plus longtemps possible. Vous avez bien travaillé les gars. Tirez-vous maintenant. Et ici je vous déteste hein. L'attaque qui met 20 plombes à arriver. Là ça c'est une bonne nouvelle. Faire ça. Et ici on va faire ça. Là tout est en déplacement. On va pouvoir bouger le reste du régiment ici. C'est parti. Pépé encore du côté Wehrmacht. Ouais. Parce que c'est la Wehrmacht le plus fun à jouer. C'est hardcore. Mais c'est très amusant de jouer allemand. Oh là là, mais t'es tétrarque 4! T'en as encore perdu 3! Ok, bon, on va tous mourir. Ils sont en train de se faire éclater par mes packs 40 là. Oh là là, ils sont. Bon, au moins, grâce à eux, t'as dégagé le bataillon. Le commandement de bataillon qui te gênait. Ouais. Ici, je vais essayer de. Oh non, ça, j'ai combien de shtug? Oh, j'ai plus de shtug. Oh là 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 là. Oh, mes chiens sont défoncés. Les hussards, là, qui sont... Ouais, ils sont défoncés. T'étais à 18 au début? Je les vois à 10 maintenant. J'ai perdu le 3 de mon équipement dans cette compagnie-là. La moitié dans l'autre. Bon, mais je vais me replier, hein, ça rien. Trouver un autre coin hein, d'attaque. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment la vision. Tu t'es jeté en plein où j'avais beaucoup d'antichars, hein. Ouais. C'est la difficulté de maintenir un front cohérent. Le jeu est difficile. Et comme nous, on est des humains et qu'on exploite un peu le jeu, on fait des méchants sneak moves aussi. D'exploit. Kat, laisse-moi tranquille, ma compagnie de mitrailleuses, là, ils sont en train de lâcher. Allez, dis-moi que les tétrarques sont en train de disparaître, là. Eux m'auront... Oui. ...auront tué tellement Kat de... Oh là là, l'offensive de Kat, là, qui s'infiltre avec le... Regardez, Kat, il est sneak. Il profite de la visibilité, il trouve des petits trous. Il est à l'attaque, hein, le vilain. Oh là, ici, je suis en train de lâcher. Oh là là, oh là là. Ok. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais faire ça différemment. Je vais aller là. On va aller comme ça. Ouais, malheureusement, 4 là a passé une très très belle attaque. Et il va me dégager de la ville. Bravo. Et ça, les paras aiment ce genre de météo pour faire de l'infiltration et tout ça. Mmh. Parce que là, si j'avais pu utiliser la longe de mes chars, je pense pas que 4 aurait réussi à passer. Mais bon, c'est à nous de nous adapter. Je souhaite embusquer en d'autres endroits. On souffle les deux. Bien sûr. Mais 18 Sherman qui vient de mourir. Ça fait ça pique. Ça picote, ouais. Non mais t'as foutu compagnie de mitrailleuses qui sont... Je sais pas comment débuter, ils vont juste courir. Ils fuient. Ma petite compagnie de mitrailleuses là qui est là depuis le début. Ouais. Ça c'est que là c'est vraiment agaçant, c'est le fait que comme tu sais j'ai des chars qui les poursuivent. Ils sont pas assez intelligents pour juste je sais pas les buter. Ouais c'est du gâchis hein. Ça c'est le jeu 4 parfois qui est codé avec ouais. Le cul tu sais. Non ça c'est comment... Attends, y'a combien de chars là-dedans? Il y a 50, il y a comme au moins 25 ou 30 véhicules dans... Non, 49 véhicules sont pas capables de tuer 50 hommes dans un champ. Rentable, hein. Genre, comment? Ici, ça tient bien. Mon bataillon, eux m'ont sauvé le front, là. Oh là, mais 4 ici, elle est... Putain, mais... Il me dégage, là! Un bataillon de Panzer Grenadier! Après, 4 a aussi des très belles troupes, hein.
qualitativement, Kat est en supériorité numérique. Et ça se ressent. Mais là, je suis obligé de mettre le paquet en artillerie pour le dégager, parce que... Kat est pas loin de camp, vous savez, hein. On est que jour 2. Kat est qu'à... 1, 2, 3, 4, 5 km de la banlieue de camp. J'ai une petite goutte de sueur, là, quand je vois les pointes. Et là, on va faire ça, vu que j'ai redéployé... Eh ouais, il y a Steve Division 2, absolument. Mais bon, j'ai pas trop, ça me donne pas trop envie d'y jouer, hein. Ce genre de jeu. Ok, j'ai réussi à replier une partie de la bestiaire. Quand on n'a pas tenu un mois, si justement, quand devait être pris jour 3, J plus 3, voire même J plus 1, je crois, pas grand chose. Pas mal. Tout ça est en mouvement, déplacement. On va faire ça. Ici, pareil. On va donner des ordres de défense. 4 m'a dégagé. Les parades 4, là, ont remporté une belle victoire. Pas grand-chose que j'ai pu faire. Et la météo était parfaite pour lui. Moi dans la ville, ouais. Très belle attaque. La vision toujours aussi dégueulasse. 11h30, 500 mètres. Tous mes airstrikes sont annulés parce qu'il n'y a pas de vision. C'est vrai que t'as pas d'airstrike, hein. Non. C'est ballot ça, hein. Yep, météo de merde. Oh mais 4 qui arrive dans mon dos là, mais putain d'où tu sors avec tes... Quel enfer. Okay. Et les tétrarques 4, est-ce que j'ai réussi à en tuer plus? Dis, donne-moi des bonnes nouvelles. Ça me dit qu'il en reste 9, donc oui. J'en ai tué 3 autres. J'en ai tué 3 autres. Sur les 20. Ils auront été rentables, hein. Ils auront bien travaillé. Hein. Pas mort encore. On va voir si j'ai réussi à les réutiliser plus tard. Ok. Là, j'ai beaucoup de troupes en déplacement. Quel enfer. Hein. Et j'ai encore des renforts qui doivent arriver jour 2 à midi, bah dans pas longtemps. 20 nouvelles troupes au pire endroit. Hein. Vraiment, le commandement de la 346e division d'infanterie, le 858e régiment d'infanterie. Quel enfer. Hein. Vous jouiez, moi je joue allemand. Et Kat en face de moi joue les alliés. Et donc là on se bat pour quand? Kat est en train de faire le paquet, on est jour 2. On est le 7 juin. 7 juin à 11h36. Tiens, là je vois des parades 4 qui se replient. Allez, casse-toi. Oh là 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 là, ma ligne de défense qui commence à lâcher. La bestiaire. La foutue bestiaire. La bestiaire, elle aura travaillé. Hein. Là, j'essaie d'économiser un peu mes munitions parce que je tire comme un malpropre depuis ce matin. Et mes stocks sont pas infinis. Mais j'ai pas le choix, je tiens avec mon arc pour le moment. À chaque fois que je pense que je repousse 4, il y a une nouvelle attaque qui commence. Oh là 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 là, et là il s'incruste. Dégage! Non. Je vais tenter d'aller là-haut. On va faire ça. Il reste 2 journées. Ouais, on va jusqu'à J4. Jour 4 jusqu'à midi.
Donc on a une jauge de points. Je suis en train de remonter au point petit à petit. Là, j'ai une bonne deuxième journée, en fait. Mais ça peut très vite basculer. La 4 maintenant est pénalisée par le fait qu'il puisse pas utiliser la longe de ses canons. Par contre, c'est pas grave, ils sont en train de me dégager là d'une ville importante. Oh là là, j'ai combien d'hommes ici qui arrivent? 1900 soldats. Génial. Ici, on se bat bien. Ici, j'ai perdu la vision avec 4. Les tétrarques, ils sont encore là! Ils sont plus que 8, 4! Je pense que je vais peut-être les tuer, hein. Il est très possible que tu les butes. T'as encore le contrôle dessus? Je vois la cohésion très basse. Non, j'ai pas le contrôle. Ils sont juste... Bon, ils auront fait leur travail, hein. Tu m'as dégagé de plusieurs endroits avec, hein. Ils auront bien travaillé, hein. Ok, là, j'ai mes renforts qui arrivent. Je me bats avec des bouts par... Oh là, ouais, des bouts par-ci, par-là. Comme dit, mon but, c'est pas d'attaquer. C'est d'être très défensif. C'est pour ça que j'essaie de pas utiliser mes tanks. En plus, le terrain est vraiment merdique. Ouais, là, ça m'emmerde un petit peu. Il est absolument terrible. Ouais, la météo... Le terrain est pas si mauvais que ça, mais la météo est catastrophique. Après, c'est vrai que la météo était merdique le 6 juin et 7 juin aussi, hein. Kat n'est qu'à que quelques kilomètres de camp, hein. En soi, son attaque est excellente. Les Panzer Grenadiers tiennent bien. Et là, ça fuit. Allez, casse-toi! Casse-toi, Kat! Je veux pas te voir ici! T'es trop près de camp. Dégage. Il y a encore 2 jours. J'aurai peut-être plus de munitions. On va se redéployer là. Allez, un tétrarque en moins. Ici, on défend. J'aime pas utiliser mes tanks comme ça en défense et pas en concentration, mais... J'ai pas le choix. Ok, là on a passé beaucoup d'unités. C'est génial. Je vais même me mettre au repos ici. Je vais me payer ce luxe. Ça va être ma nouvelle réserve. Et toi, tu vas venir te mettre là-haut. Parfait. Toi, tu rejoins le merdier. Bataillon, mon commandement de régiment, tu t'arraches. Putain, je tire dans le vide, j'ai perdu le contact. Et tétrarque. Il n'en reste plus que 7. Ça. Bird. Test. Figure-toi 4 que je viens de réussir à faire tomber. Tu te rappelles de mes 88 que t'as tiré non-stop depuis 6 juin à l'aube? Je viens de réussir à faire tomber 1% de fatigue sur... Incroyable. Fais chier, putain.
compliqué. Mais la boutique tient. Ok, ici, c'est parfait. On va faire ça. Hop. Et toi? Comme ça. Toi, t'es bien retranché. Non, c'est de la merde. Là. Il reste deux journées dans le scénario. Ouais. Là, on est jour 2 à midi. Donc, ouais, il y a exactement 2 jours 4. Hein. 2 jours, hein. Et c'est compliqué. Hein. Oh là là, attaque blindée de 4 le long du canal de l'Orne. Hihi. Ça change mes plans, ça. Ça change mes plans, ça, mon petit 4. Contre-ordre! Let's go. J'ai trouvé des tanks de 4! Je m'attendais pas à une attaque ici! Mais j'ai repéré! On va commencer à savonner le terrain! Belle attaque 4, belle attaque, je veux dire! Je m'attendais pas à là! Je m'attendais ailleurs! Ouais, j'essaie de trouver des trous! T'as bien raison parce que là, oh là là, oh là 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 là, là d'un coup je vois mon unité, suppression. Aïe 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 aïe. Mais c'est une compagnie lourde de Panzer Grenadier. Figure-toi qu'ils ont de quoi se défendre. Mm-hmm. 14 Sherman. Alors là on a une belle formation. Hein. Dans l'unité de tête, la véracité bonne. 14 Sherman 75 du Firefly. Et pareil dans l'autre de derrière. On a 30-40 tanks qui m'attaquent. Deux compagnies blindées au grand complet. Au secours! C'était plus facile quand c'était des tétrarques, Kat! Non. Des tétrarques. Allez, il y a une compagnie qui m'attaque. Ça va être compliqué. Ah mais les tétrarques, ils sont plus que 5! Les pauvres. Okay. Ah mais la vision, au secours! La vision c'est terrible, midi, 500 mètres. De l'eau. Toujours rien. Ah ici malheureusement, mes unités vont lâcher. On aura tenu le plus longtemps possible. On aura sauvé quelques unités. On va se replier. Ici, pareil. On va réussir à sauver ça. Tout ce petit monde est en train de se mettre en route ici. Parfait. Ok, parfait. Qu'est-ce qui... Oh, j'ai tout le... Ok, ils ont déjà eu leurs ordres. Parfait. Ici aussi, ils ont eu leurs ordres. Ici, c'est au repos. Là, on va venir occuper le terrain. Oh, ici, magnifique. La bataille affreuse. Très affreuse. La véracité bonne. Unité de 4 qui a plus de cohésion. Si ça se bat encore, ça tire. Ma bestiaire a pris des pertes, mais ma bestiaire... Bordel de merde, il bosse bien. Par contre, 4 là-bas encerclé. Il a fait un beau move, il a sneak des troupes dans mon dos. Et il est en train de me faire très mal, là. On a passé aussi, t'as cerclé. Mais j'ai du punch ici. Je vais même payer le luxe. Dans quel état sont mes troupes? C'est pas si mal que ça. C'est parfait. On va aller là. On va aller comme ça. Hop là. Ah, je vois qu'il y a des pas de grenadiers, on passe sur véhicule, genre.
Où ça? Dans le sud? Ah, ils... Oh, ouais. Oh là là, ce que tu leur as mis. Oh. Ok. Ils ont pas apprécié, ils ont pas apprécié. Mais bah, en même temps, et 40 tanks dans la gueule, Kat. Ouais, bon. Tu les as ravagés, hein, les malheureux. Dommage, Tant mieux. ils avaient bien travaillé. C'est tout ce qu'ils méritent. Aucune pitié. Bon, ici je me suis fait dégager, mais ça tient encore. Parfait, on fait quelques points, quelques précieux points. Et là, on va pouvoir réenvoyer un peu d'artillerie. Maintenant qu'on a on a repéré quelques points de 4. Tiens donc, ah! Allez, on sauce. Parce que là, je fais le kéké, mais je suis en train de vider mes stocks. Si j'ai plus d'artillerie. Jour 3 et 4, ce sera bien fait pour ma gueule. Ok, parfait. Ici, on va se mettre là. Faut pas que je laisse 4 faire ce genre de petit move. Bon, les tétrarques 4! On n'arrive pas, j'arrive pas à les détruire 5. Il meurt, il meurt. Là, je vois unité A4 qui fait la gueule, véracité bonne. Bon, malheureusement, il a défoncé ma compagnie lourde, le Panzer Grenadier. Ici, ça fait la gueule aussi. Aïe, aïe, aïe. Voilà, 4 qui passe à l'attaque. Véracité bonne. Il me faut du support d'artillerie, 4. Hein. Faut que j'envoie la sauce là. T'as encore l'artillerie, ouais. Secours. J'ai pas le choix. Putain, ici mes Panzers, je vous déteste. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ils ont toujours pas choisi l'itinéraire. Là, je vais continuer à tirer. Bon, 4, on s'arrête là pour ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Midi 30. Ouais. Ça fait une bonne Toujours session, avec la 4. vision de merde, on verra bien si la vision va s'améliorer. Je sais pas. Oh là 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 là, quel enfer. Menu. On va mettre pause. Voilà. Sacrée session encore, hein. Oh là là, c'est quoi? C'est dur. Très dur. Dur. Mais c'est fun. C'est fun parce que bah, c'est compliqué, quoi. Ça, je pensais pas que ça allait passer. C'est passé. Et là. L'attaque de Kat est peu, c'est peu à peu en train de passer. Doucement, mais... Ici, Non, mais t'as des j'ai... nœuds de résistance, Qui tiennent ça passe bien, pas. ouais. Qui tiennent très bien. Et c'est vrai que là, le fait de pas avoir l'allonge des canons pour les chars et l'artillerie... Mais je suis en train de vider mes Yep. stocks d'artillerie pour tenir. Hein. Parce que là, c'est... Je vais aller voir mes stocks en vitesse. Je sais que moi j'ai plus de stock du tout. Là, ça En fait, va. je sais pas, c'est que je sais pas comme où est-ce que. Parce que en fait, j'ai regardé mes navires. Ils ont requesté du supply, ils en ont jamais reçu. Donc, je sais pas comment les navires reçoivent du supply. Peut-être que la personne qui a codé le jeu. Je sais pas, Il y a mais pas programmé le supply pour les navires. l'artillerie navale, je sais pas. Peut-être que t'avais un Ouais. nombre très limité aussi de... C'est tellement puissant. Va savoir. C'est possible. Ouais. Bon, écoute, Kat, c'est sauvegardé, tu peux quitter. Et bah, tu me tiens au jus pour la semaine prochaine, hein? Tu me diras si t'es si t'es dispo. Et voilà, allez, passe une bonne soirée, mec. Ciao. Vas-y, ciao. Hop. Et pour les autres, demain, minute spatiale, en début d'après-midi, et en soirée, je ferai sûrement, je continuerai le run avec les Dune Landings, voilà. Bon, allez, sur ce, passez une bonne soirée. On continuera, je l'espère, vendredi prochain. Et bah, c'est cool, c'était fun. Ouais, c'est pas visuellement attractif, mais c'est génial à jouer. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde, bye bye.